Bonjour et bienvenue dans Einstein Kubernetes in a Visual Way. Je m'appelle Aurélie et à travers cette série de vidéos, je vais essayer de vous expliquer les concepts de Kubernetes. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder les requests et les limites. Un instance memory killer tourne sur chaque node. Si un pod utilise trop de mémoire, le OOM killer peut les détruire. Afin d'éviter la destruction de nos pods, on doit définir des requests et des limites. À noter que les requests et les limites sont également utilisés par le scheduler afin de décider sur quelle node notre pod peut tourner. La request est le minimum que le pod a besoin pour être schedulé. Et la limite limite l'usage maximum. Mais attention, il y a une différence entre le CPU et la mémoire. Le CPU est une donnée compressible. Quand un conteneur atteint la limite définie, il continue de tourner. Le CPU est défini en millicores. La mémoire est une donnée incompressible. Cela signifie que quand le conteneur atteint la limite, il sera ainsi terminé par le OOM killer. La mémoire est définie en bytes. On peut créer un pod de manière déclarative et lui définir les requests et les limites, CPU et mémoire. Mais attention, la limite ne peut pas être inférieure à la request et définir une limite CPU peut impacter les performances de votre application. Donc, à utiliser avec précaution. Pour cela, on a la commande kubectl top pod qui nous affiche la consommation CPU et mémoire de nos pods. Et on peut également afficher cette information par conteneur, par pod, ainsi que par node. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que cela vous a donné envie d'en savoir plus. Merci et à la prochaine, j'espère, sur la chaîne.